Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce petit tutoriel d'utilisation du logiciel AnaGen dans le cadre de comparaison entre des séquences. Nous pouvons comparer soit des séquences de nucléotides, soit des séquences d'acides aminés d'une protéine. Je vous rappelle que la séquence d'acides aminés d'une protéine est codée par la séquence de nucléotides d'un gène. Donc une différence, une modification sur la séquence d'acides aminés sera révélatrice d'une mutation au niveau du gène. Donc comme d'habitude, je vous rappelle que les molécules sont à chercher dans le dossier banque de données SVT. Donc vous faites fichier, ouvrir. Dans mon exemple ici, il faut aller chercher le logiciel, le fichier banque de données, bien sûr AnaGen. Dans notre exemple, il faudrait aller dans ce dossier-là. Imaginons que je vous demande d'étudier le gène pH de la phénylalanine hydroxylase et que je vous avais dit dans l'énoncé d'aller chercher les séquences ref.ph.it. Donc vous allez les prendre et les ouvrir. Voici les séquences. Je vous rappelle que sur AnaGen, il n'y a qu'un seul des deux brins d'ADN qui est écrit. Car pour ne pas surcharger l'écriture, par complémentarité de base, vous savez ce qu'il y a sur le brin opposé. Je vous rappelle que la séquence en haut et la séquence de référence, c'est celle qui va servir de référence pour la comparaison. Imaginons que vous vouliez mettre la séquence ici, là, FEMUT 95 en référence, il aurait fallu la placer en hauteur. Ce n'est pas le cas ici, donc on la laisse ici. Donc, vous avez trois allèles, FENORM, FEMUT 95, FEMUT 111. On vous demande de les comparer. Donc, vous allez comparer les séquences. Par défaut, si on ne vous demande pas de précision, vous faites avec discontinuité. Voici le résultat. Donc, à chaque fois qu'il y a des étoiles ici, ça veut dire que les nucléotides sont des trois séquences identiques. Et d'ailleurs, on le voit ici aussi par des petits tirés. On ne réécrit pas tant qu'ils sont identiques. Donc, je m'avance sur ma séquence, je m'avance jusqu'à arriver à la disparition d'étoiles. Ici, les étoiles ont disparu, ce qui signifie qu'il y a eu une mutation. Et si on regarde ici, on voit que cette mutation est symbolisée par un trait bas sur ces trois nucléotides. Trait bas signifie qu'il y a eu une suppression de nucléotides, on parle de délétion génétique. Si on veut savoir la position, en termes de nucléotides, ici, vous avez une délétion à partir du 282e nucléotide. Si on veut parler en termes de codon, il faut cliquer sur la règle, et vous avez une mutation à partir du 95e codon. Continuons notre trajet, et nous voyons que pour l'autre allèle, le FEMUT 11, il y a une mutation ici, au niveau du 330e nucléotide ici. Le nucléotide C a été remplacé par T, donc la cytosine par la thymine, c'est une substitution. En termes de codon, nous sommes au 111e codon, d'où FEMUT 111 d'ailleurs. Continuons à vérifier qu'il n'y ait pas d'autres mutations. En effet, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà comment nous procédons à une comparaison sur AnaGen. Voilà, bon TP, bon travail, au revoir.